Evan est-il plus fort que moi? C'est la question que tout le monde se pose. Moi j'ai la réponse. A déjà répondu l'année dernière, t'avais gagné la vidéo d'un point. D'un point, mais un point ça suffit pour gagner. Donc cette année, je veux ma revanche, je suis toujours avec les mêmes personnes, c'est-à-dire Thomas pour mon équipe et Dani qui est là dans l'équipe à Evan. L'équipe des gagnantes, on peut le dire? Oui. Des gagnantes. Des gagnantes. Ouais, des gagnantes. Ouais, c'est bien les filles. La petite boulette. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est en deux équipes de deux. Et Thomas et moi on veut notre revanche parce qu'on n'aime pas perdre. Ouais. Et très simplement, ça va se passer en deux temps. Il y aura deux défis sur ma chaîne et deux défis sur la chaîne à Evan. Donc il faut absolument que tu regardes les deux vidéos pour savoir qui est le vainqueur final. Parce que un challenge remporté remporte un point. Et celui-ci des quatre challenges, on saura qui gagne. Donc les challenges, vous allez les découvrir ensuite en voix off. Est-ce que vous êtes chaud les gars? Moi je suis chaud en tout cas. À noter que parmi les challenges, il y en a un que je choisis sur ma chaîne, un sur ta chaîne et toi pareil. Vous êtes chaud les gars? Ouais, moi je suis chaud moi. Allez c'est parti Toto, on les défonce. Oui, oui, oui. On va les gagner. Oui. Transition avant le premier défi, Evan et moi et tout le monde d'ailleurs, on est très bien équipés, en partie grâce à Puma, parce qu'Evan et moi on a des nouvelles Puma futures qui sont très très belles. J'ai aussi acheté des tenues pour tout le monde, c'était pas Puma qui me les a envoyées, ils m'envoient pas tout, ils sont déjà très gentils, mais j'achète aussi un peu. J'ai acheté des ballons et surtout un très beau mur bien plus résistant que la dernière fois. Donc voilà, tout un beau matériel pour faire une très belle vidéo que j'espère gagner. Tout ça pour perdre. Non mais. Bravo. Ok, premier défi, bravo, c'est parti. On va voir. Premier défi. Eh oh, monsieur, eh oh. Merci beaucoup de m'avoir sauvé du vent. On commence cette vidéo avec l'exercice que j'ai choisi, les coups francs. Evan et moi allons tout simplement tenter de marquer à tour de rôle un maximum de buts au cours de ce premier exercice d'une durée de 20 minutes. Ouais mon tonton, hein. Aujourd'hui c'est pour nous, hein. On est marre de perdre moi. On est mort. On est belle. Wouh. Je tentais de passer au-dessus le mur, c'était pas mal. Oui Dani. Merde. Yes, premier point il est pour moi, ça commence bien. Yes, un partout, elle est belle celle-là. Oh là 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 là. C'est bon, ça rentre pas. Aïe 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 aïe. Vamos. Oh là 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 là. Oh putain. Ça, vous voyez, quand vous êtes gardien, j'ai pas ma connaissance de cause, c'est les pires frappes. C'est claqué au sol, c'est trop chiant, arrêtez. Bien, Thomas. Bien joué. Il manquait un peu de puissance, mais c'était pas mal. Oh putain. Ah, bien vu. Laisse. Ça va aller, Dani? Bien, voilà, allez. Allez, faut enchaîner maintenant. Oh, dommage. Yes, 4-1. Là, la team Lévy, on est bien pour une fois. Oh là 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 là. Oh oui, Dani. Oh, quel arrêt. Un peu plus de la moitié du challenge j'ai réalisé. Deux points d'avance pour moi. Les vannes peuvent rattraper, il est au contact. Encore à peu près 8-9 minutes. Oh oui. Oui. Oh, j'ai pas vu t'étais devant. Yes. J'ai pas vu que tu passais, t'étais devant. J'ai pas vu. Ah oui. Merci Thomas. Oui Dani encore. Bien. Wouh. Oh là 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 là. Yes. Oui. Elle est belle. 5 à 3. Oh oui. Oh là là le voleur. Yes. Si je la mets, j'ai gagné mon défi. Vamos. Premier défi pour moi. Yes. Bon, débrief du premier exercice, les gardiens, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis nul. Non. Non. Il fait chaud déjà. Déjà, oui, ça c'est un bon constat. C'est vrai, il fait très chaud, on est en juillet, ça cogne un peu. Evan, t'as moi à dire avant. T'as un mot à dire avant ton défi? Ben justement, on va voir le deuxième. C'est okay, seulement c'est parti. Bon, deuxième défi, je sais pas ce que c'est. Super. D'ailleurs, t'as dit un mot, on n'a pas dit trois. Non, mais si je gagne le prochain, c'est bon, tout est remis en jeu. Mac Music. Second exercice, cette fois-ci sélectionné par Evan, dans lequel le but sera de marquer après une passe effectuée à mi-hauteur par ma sœur Méline. Concernant le système de notation, c'est très simple. Si le ballon ne touche pas le sol avant la frappe, le but rapporte 2 points, tandis que si le ballon touche le sol avant la frappe, le but ne rapporte qu'un seul point. Hurt.
purchase your tracks. Le défi d'Evan, c'est parti, est-ce que t'es confiant? Ouais, je suis très très confiant. Après on va bien voir, mais normalement c'est le challenge que je réussis. L'année dernière t'avais super bien maîtrisé. Ouais, j'avais, enfin c'est plutôt toi aussi qui avais pas trop réussi, hein, qu'on se dise. C'était pas trop ça toi. Bon, vous savez ce qui va se passer. Regardez, il y a la vidéo d'il y a un an et demi là. Et revenez là après, vous savez ce que je vais faire. Le petit contrôle, voilà. Ah non. Oh ouais. C'était le pire. Ah non. Oh. Ah, ça recommence. Tu connais celui-là, Lévi. Là, Thomas, c'est ça. Oh merde! Non! Ouais, il a fait gagner, Wow. Aïe 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 aïe! 3-0! Bien vu! Oui! Yes! Et yes, là aussi, trop de caméras, je sais plus quoi faire, mais j'ai marqué 2 points. Oui, Danny! Bien! Yeah. Bien anticipé, les gars! Oh, oui, Danny! Oui! Allez! C'est parti! Pas facile, hein. Evan revient, moi j'ai un petit coup de mou, 3 partout. Ouais. Là tu frappes. Oui, Danny. Oh non, dommage. Yes. C'était très haut, mais bon, je suis désolé, j'ai voulu marquer le point de 5-3. C'est vraiment pas un défi simple qu'il a proposé, frérot, mais je suis devant. Il la plaque au sol. Il la porte toujours plus. Oh. Oh là là. 7-3. Bien, Lévi. Voilà. Celle-là. Oui, Dani. Oui! Yes! 7-6. Oh non, dommage! Bon, Lévi gagne ce deuxième challenge. On va faire un dernier pour finir? Ah, j'ai le seum sur celui-là. Allez, on fait un dernier pour finir. Wouh! Bien joué tout le monde, bien joué Méline! Non, moi j'ai rien fait. Nous sommes à mi-parcours pour le moment. Lévi, que je suis moi-même, c'est pas français, vous avez compris. J'ai 2 défis pour le moment. Evan 0, il est dans le dur cette fois. Non, là, ça se voit peut-être pas, enfin peut-être un peu, je pense. Mais j'ai littéralement beaucoup le seum. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce qu'il reste, Evan et moi, on va rester 2 minutes pour faire un débrief de ce qu'on a pensé des chaussures de Puma, les Puma futures qui sont très bien pour moi. Et surtout, plus important, le défi continue sur la chaîne d'Evan. Allez voir. Oh là 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 là, comment vous allez voir comment je vais le gagner, pour parce savoir que là, c'est bon. Là. S'il remonte ou non, voilà. C'est moi, je dis pas merci pour le moment parce que je laisse aller voir la vidéo. Je dirais merci à tout le monde, à tous les caméramans à la fin parce que la vidéo n'est pas finie, elle est en 2 parties. T'as raison. Okay. Mais la deuxième partie va être vraiment, je vous le dis comme ça, la deuxième partie elle est folle. On se retrouve pour le débrief des chaussures avec Evan qui va nous donner une note sur 5 pour les 3 critères suivants. Premier critère, l'esthétisme. Deuxième critère, le confort. Troisième critère, le toucher de balle. C'est parti. Déjà, esthétiquement, les chaussures, moi je trouve qu'elles sont folles. Après, chacun ses goûts. Mais moi, honnêtement, je pars sur un 5 sur 5. C'est nouveau, ça change les couleurs orange, gris, c'est... Pour moi, c'est parfait. Moi, 4,5 parce que je préférais mes... mes tu préférais les autres. Les Puma One. Moi, franchement, je mets 5. Ok, 4,5. Confort. Confort, bah, on a tout simplement, je pense, les meilleurs niveaux confort. Ouais, je pense que donc, on a top gamme. Donc, ouais, donc franchement, là, c'est pareil pour moi, c'est un 5, c'est top. 5 sur 5 pour moi aussi, parce qu'on peut ajuster le lassage. En plus, le système Netfit est très confortable, donc c'est super agréable. Moi, je mets 5 aussi pour ça. Ok. Enfin, toucher de balle, bah moi, ça me permet de te battre, donc ça me suffit. Ouais, et du coup, moi, je vais mettre 4,5 juste parce que j'ai pas battu Lévi. Non, c'est pas vrai. Non, franchement, le toucher de balle est parfait aussi. Hein. Moi, franchement,
je mets même plus que sur les Puma One. Les Puma One, je les aime bien, mais je préfère celles-ci. Je sais pas, sont plus, un peu plus ajustées, les Puma Future. C'est vrai que c'est peut-être les meilleures chaussures du point de vue touché de balle. Ouais, c'est vrai que tu sens que t'es proche de la balle, on va dire. C'est t'as un très bon bien. Feeling. Ouais, exactement. Bon, merci Evan pour ce débrief. Je remercie Oula. Puma une nouvelle fois. Je remercie pas les acteurs de cette vidéo parce qu'elle se poursuit sur la chaîne Evan. Donc c'est maintenant que tu vas voir la vidéo. Ah, Evan, allez, moi je m'en vais. Tu peux venir, allez, viens. On est bien. Et là, si Lévi, il a les droits d'auteur, il peut mettre le même. Mais sinon, bah. Cristaline, l'eau préférée de Méline. Ah, coucou! Hush. Mec, qu'est-ce que ça fait? Fais attention. Putain, ça chauffe! Mais l'arrêt du genou! Faut que je le refasse, l'arrêt du genou! La réponse était Lévi. Oh, Lévi, j'ai fait tout mon possible. T'inquiète pas. 3-0. 4-3. La madame, elle me fait. Elle nous les deux filmés, du coup. C'est nous les... Non mais c'est bon, tu peux l'enlever maintenant. On n'a plus rien à dire. Salut.